Ah ben c'est filé ça. Ah puis c'est pas rattrapable, hein. Même avec du vernis, c'est foutu ça, hein. Ah dis donc, des bateaux neufs. Oh. Ah bonjour le Kiki. Bonjour toi. Oui. Il est gentil le Kiki. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il a dormi toute la journée comme la Loire. Il est heureux. Ah le Kiki. Hein? Oui, viens vite me voir, toi, là. Viens vite, là. Viens vite, là. Oh, oui. Il est beau, le trou du cul en manche de veste. Hein. Il est gentil, le salaud. Oh, il est gentil, celui-là. Tu sais que je t'ai apporté à manger, toi? Tu vas te régaler. Ah, t'es beau. Oh, il est beau. Oh, il pue aussi, hein. Oh. Allez. Tiens, ben, on va lui faire prendre l'air, à celui-là. Voilà. Et pas là, la poubelle! Hein? Oh! Et pas là, ta remplaçante? Le bonsoir, c'est pour les chiens chez toi. Hein? Bonsoir, c'est pour les chiens. Tu vas te rendre malade, toi, à force de faire de l'esprit, je vais te dire, ça te tourne, hein, vraiment. Vestiaire! Ah, ça me fait rire, c'est très drôle, ça, c'est drôle. Voilà, on fait comment pour ta pioule, alors? Ah ben moi j'ai tout rangé chez moi, faut que t'ailles voir la proprio maintenant. Ouais. Hein. C'est 500 balles toujours? Oui, mais il y a 10 mètres carrés, puis il y a l'eau chaude, alors qu'est-ce que tu veux? C'est ta poubelle qui pue ou c'est le lapin ou c'est les deux? Oh, je t'en prie, hein, il y a que moi qui nourris cette bête ici. Ah, alors c'est la nourriture du lapin à l'intérieur. Oui. Bah moi je dis ça, peut-être qu'il aime, hein. Bah évidemment qu'il aime, c'est une bonne blague. Qu'est-ce que t'as foutu de mon bottin? Tu fais chier à toucher à tout, hein. Il est sous ton nez, ton bottin. Je trouverai pas de l'eau ronde celui-là. Oui, bah autant pour moi. Tu pourrais pas arrêter tes parasites 5 minutes? C'est le seul moment où je peux écouter ma radio tranquillement, je m'excuse, hein! Quoi, c'est le seul moment où je peux jouer du piano? T'en as un chez toi, là, quand on joue chez toi du piano? Je peux pas, ça résonne, ça fait trop de bruit, alors arrête! Ou change tes piles, je sais pas, moi! Elles sont neuves d'hier, mes piles! Là, tu parles, elles sont neuves, sûrement! C'est ça, t'as plus de plus, j'entends rien, t'es content, j'entends rien! Hein, y'a rien! Je parlais au Kiki, il est de mon avis, figure-toi. Ils auraient comme ça, le lapin. Bon, on peut savoir ce que t'as à bougonner? Mais je bougonne pas. Oh. Mais non, je bougonne pas, je parle. Je suis énervée parce que je pars, alors que je suis énervée, c'est tout. Puis je sais même pas si la nouvelle, elle va savoir s'occuper du Kiki, en plus. Elle saura peut-être s'occuper de moi, la nouvelle. T'es malin, ça me fait rire. Bon, écoute, je plaisante. Bah oui, mais je suis pas d'humeur à plaisanter. Hein. J'avais cru remarquer, oui. Ah bah ça arrive, fais ce qu'on peut. De toute façon, tu reviendras, alors, de temps en temps. Oh, bah évidemment, tu parles. On va revenir au moins une fois par an pour la foire de Paris avec Paul. Ah bon? Pourquoi? Il a un stand? Ah non? Non, mais tu sais, il vient pour se tenir au courant, parce que ça l'intéresse, tout ça. Alors on reviendra, quoi. Il a une bonne tête, hein, Paul. Ah oui. Garçon, hein, ah oui. Bonne tête. Ah, c'est, oui, c'est... Il n'est pas franchement beau, si tu veux. Pas franchement, non. Mais il a beaucoup d'intelligence dans le regard. Ah bah c'est ça, tu vois. Je me demandais ce qu'il avait dans le regard, ça doit être ça, effectivement, ça doit être de l'intelligence. Ça doit être ça. Madame Paulpin.
C'est que c'est un joli nom, ça, Madame Paulpin. Ah, tu trouves? Ah, bah oui. Vous attirera bien, Madame Paulpin, pour de la pain, tout ça, et vous. T'es bête. Il est bête. Il me fait rire, j'ai pas envie de rire. Eh, remarque, on rigole, hein, avec des bêtises comme ça. N'empêche, j'aurais pu tomber beaucoup plus mal comme nom. Parce que, à l'école, j'avais une copine qui s'appelait Monique Le Cul. Ouais. Et ben, elle a épousé un type qui s'appelait Merdard. Elle est des gens marqués, quand même, hein. Et tu sais ce qu'ils ont fait? Ils sont suicidés, non? Ah non, pas du tout. Ils sont allés dans une association pour les gens qui ont des noms à coucher dehors, ouais, comme ouais. Ça. Et ben, ils en discutent. Ça leur fait du bien, hein. Eh oui. Il paraît que quand on est trois à s'appeler couilles, on se sent moins un phénomène, alors. Madame Paulpin, Annie Tapin, ça roule bien ça comme nom, Annie Tapin. Oui, ça roule bien. Ça fait tapin, mais ça roule bien. Oh, mauvais esprit, vraiment. Tiens, t'as pensé à moi en fait? Bah évidemment, j'ai pensé à toi. J'ai pas eu le temps de tout trier, hein, faut que tu regardes, il y a un peu de tout. On envoie donc. Non, écoute, c'est dégueulasse, il y a des papiers gras. Eh ben, t'as qu'à trier. Mais t'as qu'à trier, c'est immonde, ouais. Oh, délicat, hein. De toute façon, pour ce que tu vas en faire, pour bourrer ton piano pour qu'il fasse moins de bruit, excuse-moi, hein. C'est un piano, c'est pas un garde-manger. Oh. Des journaux tout neufs, tout propre, dis donc. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est pas vrai. C'est quoi? Eh, t'étais au courant? Le pape est mort. Bah oui, il y a 3 ans, ouais. Tu débarques. C'est là que tu te fais marrer, toi. Le pape est mort, ça te fait marrer, toi. Tu permets, hein, si j'ai envie de rire, je ris encore, hein. Dis donc, regarde, oh, oh. Tu trouves pas qu'elle s'élargit, la casquette, là? Bah non, elle te va comme un gant, cette casquette. Bon, alors c'est moi qui maigris de la tête, il y a du jour aux oreilles, tiens, regarde, là. Bon, il y a quoi, il y a un doigt? Tu parles, je pourrais emmener les copains, hein. Ah bah, tu sais ce que tu fais, tu bourres sur les tempes avec du coton, ça cale. Ah oui, mais c'est pas bon. Oui, mais ça cale. Oui, mais c'est pas bon. Oh, arrête ça, je pourrais te faire écouter quelque chose, alors arrête un peu. Oh. Quoi, oh, quoi? Je dis rien, je soupire. Hein? Je peux encore soupirer. Je suis énervée parce que j'ai dit à la nouvelle de venir 1 heure à l'avance pour le ménage avant l'ouverture, et ben elle est en retard, elle se fait appeler Désirée, celle-là. Bon, tu laisses tomber la nouvelle, t'écoutes un peu. Bah vas-y, joue, je t'écoute. Et si ça t'intéresse pas, dis-le tout de suite. Mais si ça m'intéresse, je t'écoute. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Je dis qu'est-ce que t'en penses, te demande. C'est court? Ouais. Parce que, comme mélodie, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je sais pas, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, j'aurai un pick-up, je jetterai pas le disque. Mais alors là, c'est court, hein. Rajoute 2-3 notes... Oh, ça va, fous-moi la paix, ouais. Et je te signale que tu m'as demandé mon avis, hein, et puis que je te l'ai donné. De toute façon, c'est la dernière fois que je te le donne, alors... Eh ben, ça tombe bien, parce que c'est la dernière fois que je te le demande. Et ben, ouais, comme alors. Ça, tout le monde est content, c'est voilà. Ça, écoute ta radio de merde, et puis fous-moi la paix. Eh ben non, tiens, je coûterai pas ma radio de merde, voilà. Ah ben, c'est pas trop tôt, t'es en retard. Bah oui, je m'excuse, j'ai raté mon bus. Je me serais giflée, hein. Oh, un lapin! C'est un lapin? Non, c'est un Doberman. J'ai raté le 38, heureusement, j'ai pas raté le suivant. Ah ouais? Le 39? Bonjour, mademoiselle. Oh, qu'est-ce que c'est mignon! Ah ouais, ouais, c'est assez sympa, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Hein, y a rien, je réfléchissais à des trucs. Et puis il peut réfléchir des heures comme ça, tu sais. Betty, moi c'est Betty. Ah ouais, Betty Boop, Boop Boop, hein. Elle est pas un peu grande votre casquette? S'il te plaît, Betty, s'il te plaît, sans le commander. Le manteau, il s'appelle Accroche-moi par chez nous. Je t'ai dit de venir 1 heure à l'avance pour le ménage, t'as pas compris, c'était passé au-dessus de la tête, ça, hein? Bah, c'est à cause de mon bus. Eh oui, c'est ça. Il s'appelle comment? Il s'appelle Kiki. Il s'appelle Bunny. Il s'appelle Kiki. Bon, alors, il s'appelle Kiki.
Ça te gêne pas trop son odeur, toi? Oh non, moi je sens rien, j'ai de la sinusite. Ah bon? Bon, entretiens-la, hein. S'il te plaît, faut pas trop le tripoter parce que ça le rend malade, les bêtes, hein, merci. Il y a des parasites dans votre poste. Je sais. Ah non, mais là, viens de changer les pieds. Oh, c'est pas vrai, là, t'es content, là, t'es heureux, là. Bah, c'est un peu Noël pour moi, oui. Oh, vraiment. Il a l'air gentil, mais il a une drôle de touche. C'est normal, c'est la casquette, comme elle est trop grande, ça. C'est quoi qui... Non, rien, je dis que t'avais une jolie casquette. Ouais. Je m'excuse, c'est où les cabinets? C'est derrière, là. Fais attention, il y a une marche, hein. Je vais me ravaler la façade. Ah, putain, merde! Attention, il y a une marche, hein! Elle est mignonne, hein? Ouais, mais elle est en retard. Oui, bah oui, mais elle est mignonne. Elle est mignonne, elle est mignonne. Moi aussi, à 5 ans, j'étais mignonne, tiens. Y a prescription, hein? Oh, rigole, rigole. Non, c'est facile de rigoler. Mais quand je faisais mes 5 boîtes par mue tranquille, eh ben, excuse-moi, mais j'étais mignonne. Ah ouais? Tu vendais des fleurs? Oh, pas du tout, monsieur, pas du tout. Je faisais du striptease. Tu me répéterais ça sans rire, là? Ah non, y a pas de quoi de rire, hein. J'ai même failli rentrer au De Boule par une copine. Eh ben... T'en bouches un coin, ça, hein? Ah, c'est surtout au spectateur, ça devait en boucher un coin. Ah non, oh non, parce que, bon, le numéro était assez osé, hein, ça, faut pas ça, se... Pas se le cacher, hein, ça, c'est... Ça allait, mais enfin, jamais vulgaire, hein. Mais ça, je te fais confiance là-dessus, sûrement, ah non. Hein, non. Oh non, bah tu me connais, bah, jamais oui, c'est vulgaire. C'est pour ça que ça devait être gracieux, même. Ah oui, joli. J'avais un nom d'artiste dans le genre capsule à propos, un truc... Oh non, beaucoup plus distingué que ça, tu parles. C'était Sexy Lady. Ah bah ouais, c'est anglais, c'est plus distingué forcément des cons. C'est anglais? C'est anglais, ouais. C'est marrant, c'est anglais. Eh oui. Mais t'es jamais aperçu que c'était anglais. Ah, tu vois, ah, c'est fou ça. C'est fou, hein. Ah, puis j'avais un joli costume, hein. Mm-hmm. Petit mais joli, hein. J'avais une pointe en diamant. Non, enfin, un faux diamant. Ouais, mais enfin, une vraie pointe. Oui. Bah alors. Oh non, c'était pas n'importe quoi le numéro. Il y a des provinciaux qui montaient exprès à Paris pour voir Sexy Lady. Oh bah écoute. Sexy lady, dans le brouillard gris des cigarettes, toutes les conversations s'arrêtent quand Sexy Lady apparaît, de cuir vêtu avec son fouet, son fouet. Sexy lady, 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 sexy lady. C'est un vrai tabac tous les soirs, les connaisseurs cloués au bar vont craquer si elle n'enlève pas ses gants, sa guêpière et ses bas, et ses bas. Sexy lady, 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 sexy lady. Lorsque le piano diabolique attaque le numéro final, cet effeuillage anatomique provoque un silence infernal à faire mal. Sexy lady, sexy lady, sexy lady, sexy lady. T'as raison, c'est pas vulgaire, hein. Elle est traite, la marche, j'ai failli tomber sur le cul. Je me suis mis du soir de Paris, il paraît que ça sent bon. Bah, il paraît, ouais. C'est la première fois que je vois un piano d'aussi près. Ah bon, bah visitez alors, hein.
Vous jouez quelque chose? Oui, mais je m'en sers, hein, là. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Oh, pour moi, rien. T'inquiète pas, là, je vais pas te gâcher ta dernière soirée. Eh oh, mais j'ai pas dit ça. Alors, t'as dit quoi, alors? On peut savoir, peut-être. C'est beau comme meuble, hein. Même sans rien, c'est beau. Ouais. Alors, comme ça, vous jouez du piano? Mm-hmm. Moi, je voulais être hôtesse de l'air pour les voyages. Comme quoi? Oui. Comme quoi, il n'y a pas de rapport, hein. Ah, moi, j'ai toujours été musicien. Moi, quand j'étais bébé, je faisais de la musique avec mes bavoirs, alors... C'est vrai? Non, ça, c'était une blague, ça. Ça fait rien, j'essaierai plus simple la prochaine fois, je trouve. Non, là, je bosse au conservatoire du 11e pour le solfège, tout ça. Tiens, dis-donc, Anita, m'enfiler une carte d'étudiant, c'est bien, ça. Ah, c'est bien, ça. C'est intéressant. Vachement. Avec ça, tu peux manger dans les restaurants universitaires. Je vais me gêner. À moi, l'hépatite. Eh ben, moi, j'ai une copine qui connaît un étudiant, il paraît que c'est très, très copieux. Oui, pareil, oui. Remarque, même sans avoir fait de grosses études, hein, tu peux manger pour pas très cher si tu débrouilles bien. Dans le quartier, t'as des restos où t'as une entrée, un plat garni et puis un quart de vin pour... Ou une bière. Je m'excuse, je préfère le vin. Ça se discute, ça dépend ce que tu manges. Avec des moules. Évidemment, avec des moules, c'est dégueulasse la bière. Si tu veux que je te dise, t'as aucun goût. Qu'est-ce que je disais? Il m'a coupé, l'imbécile. Parlez des restos, c'est même plus ce qu'elle dit, cette pauvre femme. Lâche, ça. Les restos, non, ça me revient, hein, c'est... Les restos. Ah! Les restos. Même avec un dessert, tu t'en sors. Pour dire, les restos. Hein? Ouais. Tiens, tu me passerais mon bol pour une tête boule, hein? C'est où est ton bol, hein? Pas marqué boniche là-dessus, non plus. T'as raison, ça te ferait maigrir de rendre service. Bon, évidemment que ça mange de tout. Moi, je donne de tout. De la choucroute, des tripes, ils bouffent même du lapin, alors. C'est l'entrée de la boîte? Ouais, c'est en bas. J'adore les bêtes. Ah oui? Mais à la maison, on n'en a jamais eu parce que ma mère, elle voulait pas. Elle disait que ça suffisait avec les punaises, mais c'est pas pareil, hein. Oh ben, nous, on habitait à la campagne, à Gagny. S'il te plaît, Betty, ou tu arrêtes de jouer, je rallume mon poste, hein. Merci. Qu'est-ce que je disais, là? On parlait des bêtes. Ah! Une fois, on a eu une chienne. Elle était magnifique, cette bête. C'était une grande chienne. Grise et beige. Tu sais, genre bâtard de corneau. Elle était magnifique. Elle poilera, mais elle aura, mais très très crépue. Ah, elle était belle. Elle était gentille comme tout, en plus. Ça s'appelait Rita, à cause de Rita Zara. Elle était gentille, hein. Elle était grande. C'était pas une chienne d'appartement, hein. C'était plutôt le gabarit belle chienne de pavillon. Vraiment, que je te dise pas de bêtises. Tiens, ben... Pour dire, ça aurait été une femme, elle aurait fait au moins 1m85, hein. 1m85, c'est grand pour une femme, hein. Parce que moi, j'ai une copine qui travaillait dans un chenil, et ben elle mesurait 1m70 et c'est déjà très grand. Et il y a longtemps que vous travaillez là? Au vestiaire? Oh non, moi, au vestiaire, ça fait pas longtemps, hein. Mais j'ai pas toujours fait ça, faut pas croire. Avant, moi, j'étais en bas.
J'étais bunie. C'est une blague? Pas du tout. Pourquoi ce serait une blague? C'est parce que c'est bunie? Ben non. Ben alors, c'est parce que c'est? Ben alors, c'est parce que c'est? C'est un truc américain. T'es habillé en petit lapin. Et puis tu fais le service en bas. C'est complètement artistique comme métier, ça. Tiens, ben, je vais te montrer quelque chose. Bouge pas, je vais te montrer quelque chose. Hier, ça, c'était mon costume, ça. Oh, c'est joli! Oh, on peut toucher! Ah, ben, c'est pas la peine de demander si t'arraches, hein. Oh. C'est un peu comme hôtesse de l'air. Oui. Oui, à part que tu montes ton cul, c'est le même esprit, oui. Ah, moi, telle que je me connais, je suis sûre que ça m'aurait plu comme métier, ça. Ça? Oh. Oh, ça, Betty, tu peux pas savoir ce que c'est. Tant qu'on l'a pas fait, on peut pas savoir ce que c'est. C'est, je sais pas, moi, y a rien que la clientèle, c'est cravate obligatoire à l'entrée, déjà. Alors, t'imagines à l'intérieur, hein. Et puis, tu vois, ce qu'il y a de bien quand tu travailles en bas, c'est que t'es pas seulement serveuse. Parce que les gens, ils t'invitent aux tables, tu connais les habitués, tout ça. T'es au bouchon, quoi. Ah, c'est bien, c'est bien. Il y a des types tellement distingués en bas, ils peuvent danser des heures sans transpirer. Et ça s'explique pas, hein. Eh ben, ça doit vous faire un changement de vous retrouver dans ce trou à rats, dites donc. Non, mais tu verras l'effet qui te fera le trou à rats. Non, mais... Excuse-moi, je retire mes chaussures, hein, c'est pas... Mais c'est parce que j'ai un œil de perdreau, là. Juste sur un oignon, et alors... Ça a l'air bête comme douleur, mais ça fait un mal de chien. Hein. Oh, ça vous gâche la vie des pieds, hein. Et les autres filles bunies, vous les revoyez? Ah oui, bien sûr, on est restés très très amis. Mais enfin, c'est bonjour, bonsoir, quoi. Ah non, dis donc, tu fais un concours avec Kiki, là? Oh, je t'en prie, j'ai mal au cœur. Oh, bah, j'y vais. Oh là là, c'est chaud, cette saloperie. Ça, c'est un truc de professionnel pour se réchauffer les doigts, toi. Hein. Hop là, c'est Râteau qui m'a appris ça. Oh, le Râteau! Qu'est-ce qu'il est bien, ah, le Râteau! Ça, il est vraiment bien. Oh, il est fort, hein. Eh, hey, tu connais pas Râteau, toi? Non, elle connaît pas Râteau, elle arrive, elle peut pas connaître Râteau. Je lui explique! C'est terrible, ça, je lui explique! Oh! Bon. Eh ben, le Râteau, c'est le prestige du digidita. Le prestige. C'est le magicien. Voilà. C'est le type qui fait les tours en bas. Il est formidable et j'ai jamais compris comment il faisait ses tours, moi. Ah ouais, ça m'étonne, ça, tu vois. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être buni? Faut éviter de grossir, madame. Ça me fait rire, je m'étouffe, monsieur. T'as sommeil, hein? Ben, un peu, hein. D'habitude, je me couche comme les poules. À 10h, il n'y a plus personne. Mais j'ai amené mon thermos à café. Je connais l'animal. La vache. Bon, eh ben on arrête pas de rire. Oh. Tiens, ben moi je vais aller voir Gilbert pour ma sécurité sociale. Tiens, ça va me changer les idées. Tiens, Betty, tant que t'y es, tu pourrais pas passer un coup de serpillière dans le coin? Hein? Histoire de s'assouplir les doigts, hein? Hein, Jacques? Hé, hey, Jacques! Ouais! Eh ben tu jettes un coup d'œil? Mais je la quitte pas des yeux, là! Ah. Là, c'est son fiancé, ça. Il a l'air d'un gros con comme ça, hein. Enfin, on peut pas juger sur une photo, hein. Ça donne une idée, quand même. En tout cas, ça donne celle-là comme idée, quoi. Enfin, l'intelligence, ça se mange pas en salade. Ouais. Alors, si je comprends bien, on va passer toutes nos nuits ensemble, alors. Hein? Ouais. Ça peut être sympa, hein? Ah ouais? Ouais. Ça peut être sympa. Je te préviens, si t'essayes de me ploter, t'as ma main dans la figure, hein? Je préfère prévenir, ça évite les histoires. T'as bien fait, j'allais en prendre une, là. Mais t'es pas fâché, hein? Bah non, tu vois, non. Parce qu'on peut être amis. Bah on a tout le temps, hein. Tiens, tu veux du café? Il est encore tiède. Je veux bien, oui.
Il est bon? Hein, il est tiède, hein? Marc, t'as raison de le faire fort, ça réveille, hein? Il a fait une crotte, là. Oh, bah, c'est pas sale, c'est sec chez eux. C'est pas trop dur de passer toutes les nuits dehors? Non, penses-tu? Non, non. Ça fait 6 mois que je fais ça. C'est un peu comme quand tu te baignes, quoi. Faut y aller progressivement. Alors, je sors 2-3 fois pour me saisir. Et puis, c'est parti pour la nuit. Et 2-2. Voilà. Faut que ça tombe bien, ça. Sinon, ça n'a pas de chic, tu comprends. On m'avait proposé une place en face au Nietzschevo. C'était bien pour le costume de Cosaque, parce que c'est chaud. Seulement là, il y a le piano. Moi, c'est ce qui m'intéressait, surtout. Forcément. Et toi, tu faisais quoi avant? Oh, pas grand-chose. C'est-à-dire, c'est ton premier boulot, ça? Oui et non. Avant, je travaillais à domicile. Je montais des cartons à chaussures. Uh-huh. Mais j'ai dû arrêter parce que pour que ça soit rentable, ça prenait trop de place. Et puis, c'était des gros cartons, hein. En plus. Moi aussi, je bossais à domicile, mais chez les autres. Je livrais du charbon en étage. Alors, comme je suis pas très costaud, j'en perdais beaucoup. C'était pas rentable non plus, j'ai arrêté. Et puis voilà. Dis donc, tu connaîtrais pas une chambre dans ton quartier, toi, par hasard? Non, je te demande ça parce que, théoriquement, je dois reprendre celle d'Anita. Seulement, si je pouvais trouver plus près que Savigny-sur-Orge, ça m'arrangerait quand même. C'est pas bien là où t'habites? Si, c'est bien, mais ils m'ont coupé l'eau, alors c'est pas pratique, quoi, pour l'hygiène. Eh ben, ils ont pas le droit. Si, si. Si, si. Ils ont le droit, ils peuvent couper l'eau, comme ça, ils viennent, ils coupent l'eau. Ah bon? Ouais, ouais, ouais. Pour ça, si tu connaissais un truc dans ton quartier, quoi, ça pourrait être sympa, hein? Tu vois? Même dans ton immeuble, éventuellement, si ça se libérait. Hé, hey, Jacques! Oui? Jacques! Tu connais pas la nouvelle? Ah bah si, on a fait connaissance un peu. Oh, t'es pénible, ça t'intéresse pas ce que je te dis? Si, si, c'est, non, quoi, la... c'est quoi la nouvelle? Bah, il m'a inscrite à la sécu, je suis très contente, j'ai envie de chanter, tiens. Ouais. Tiens, à chanter à la sécu, ça n'existe pas. Tu fais quoi, là, tu sors? Oui, je vais tenter le temps. Tiens, mais t'as qu'à prendre Suzy, là, qui est un peu l'air. Allez, viens, la Suzy. C'est tout? Oui, ah bah non, attends. Hop là. Hop, n'oublie pas, pas ça, s'il te plaît. C'est pas la peine. Si, je te chante, hein. C'est 3 fois rien, ah. Alors, bon. Doucement. Ça, ah oui, mais c'est un truc de bonne femme, ça coupe le vent. Bon, ça y est, oui. Oh, t'es pas en sucre. Non, moi, ça, j'ai l'air d'un kiosque. C'est ça. Va faire le jeune homme et reviens. Mais tu me lâches un peu, ouais. Avec un influenza. Alors, comme ça, vous allez vous marier avec le gros con? Pardon? Le garçon sur la photo, c'est qui? Ah, bah, c'est Paul, ça. C'est mon fiancé. On va se marier. Moi aussi, j'y pense. Ah bon? T'as quelqu'un? Non, mais j'y pense. Oh, bah t'as le temps, hein. Tu sais l'avantage avec Paul, c'est que je sais où je vais. Ah bon, vous allez où? À Metz. Il a une affaire à Metz. Il m'avait dit pour rigoler, je suis médecin. Je croyais qu'il était tout bib. C'est pas grave. Dis donc, tu l'as pas fatiguée ta serpillière, toi, hein? Non, ça c'est la mienne, il y a mes initiales dessus. Ah. Ce qui se passe avec moi, comme je suis très libre, je me vois pas bien vivre avec quelqu'un. Une fois, il y a un type, il est resté 2 jours, et ben ça allait pas, hein. J'avais du mal à le supporter. Oh, bah je connais ça, ça tourne au vinaigre à force, en force, hein. Oh, puis ils le sentent, hein, qu'il faut pas s'accrocher avec moi. J'ai pas besoin de leur dire après le petit déjeuner, y a plus personne. J'ai de la chance, je suis jamais tombée sur un pot de colle. Il baisse bien, Paul? Eh, dis donc, Betty, t'oublies pas d'éteindre toutes les lumières avant de partir, hein, parce que sinon, le Gilbert, il va te chanter la Traviata en breton, lui, hein. Qu'est-ce que tu me disais, là? Paul? Oui? Vous le connaissez depuis longtemps? Oh, ben, ça fait 1 an. Ah, quand même, hein? Ah, oui, mais on s'est vu qu'une fois. Ah, vous vous êtes vu qu'une fois? Oh, putain, merde! Eh, oui. Il passait à Paris pour le salon du cuir. Il m'a vu en petit lapin, on s'est tout de suite plu. Oh, c'était bien, c'était bien. On a fait la fermeture de la boîte. On est sorti, devait être, bon, 5 heures du matin.
Et dehors, il y avait les éboueurs qui ramassaient les poubelles. Enfin, tu vois le spectacle. Et ben là, avec Paul, c'était tellement beau, toutes ces poubelles, on se serait cru dans un film, dis donc. Ah, ouais. Et puis après, il m'a emmené au pied de cochon, on s'est bourré de choucroute, c'était formidable. Moi aussi, il y a des soirs, je peux bouffer comme un chancre. Ça occupe, hein. Oh, mais dis, on était tellement faits tous les deux. Je l'ai raccompagné à la gare, il s'est trompé de train, le con. Il s'est retrouvé à Sochaux. Ah là 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 là. Ah, enfin, ça fait des souvenirs, quoi. Ah, et puis depuis, ben, on s'écrit régulièrement. Moi aussi, il y a un type qui m'a écrit une fois. Il avait oublié ses papiers à la maison. Il a fait une crotte tout à l'heure. C'est pas celle, c'est sec. Combien ça peut coûter un manteau de lapin? Ah, ben ça, je peux pas te dire exactement, figure-toi, parce que le mien, c'est un cadeau. Alors, oh, il est magnifique. Il est magnifique. Il est pendu, là. Il est magnifique, hein. Ça, il n'y a pas à dire, hein. Remarque, pendu, on se rend pas bien compte, hein. Oh non, il faut voir sur soi ces choses-là, hein. Ah oui, sur un cintre, ça donne rien. Non, faut voir sur soi, hein. Ça, tiens, vas-tu avoir sur moi. Ça, c'est une ancienne d'en bas qui me l'a donnée quand elle est partie. C'est marrant, cette fille-là, elle a épousé un Allemand, et ben, il tient une pizzeria à Morlaix. Je vais vous aider, hein. Oui, s'il te plaît. C'est parce qu'il y a deux doublures, alors faut pas en rater une. Merci, s'il te plaît. Doucement la coiffure. Merci bien. Bon, évidemment, ça se porte pas avec des gants roses, hein, ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi l'allure. Hein, il est beau. Puis il doit être chaud l'hiver, hein. Ça, tu parles, c'est une vraie chaudière, ça. Non, puis regarde-moi ça, c'est trois quarts, c'est taillé princesse, ça va avec tout. Hein? Ça se démode pas, en plus. Très classique, qu'est-ce que tu veux de plus? Eh, tu sais qu'elle s'est pas foutue de moi, hein. Ah non, ça, c'est pas foutue de moi. Viens voir là. Non, non, viens voir là. C'est quoi, ton avis, comme fourrure, ça? Ça, c'est de l'acrylique. Ben, eh, ça se voit que c'est pas du lapin, hein. Eh ben moi, je l'ai pas vu quand on me l'a donné, figure-toi. Du moment qu'il est chaud. Surtout l'hiver. Ah, on discute, on rigole, puis on fait pas le boulot. Alors ça, pour discuter et rigoler, ça y va, hein. Mais alors, pour le boulot, zéro. Alors là, y a plus personne, hein. Oh, y a un bordel ici. Tiens, t'as une soucoupe, là, t'as une soucoupe. Bon, eh ben, faut la garnir, ça incite. Tu mets deux, trois pièces de la prendre, tu la poses perdu la poche, t'auras toujours un con qui se laissera prendre. Combien on peut se faire par nuit? Ici? Ah, ben ici, si tu fais bien ton travail, tu peux te faire, je sais pas moi, dans les 90, 100 francs par nuit. 100 francs par nuit? Oui. Putain, merde. Dis donc, Betty, ça fait trois fois que tu dis putain, merde dans un quart d'heure. Ben oui. Eh ben, faut pas dire ça. Ah bon? Eh ben non, parce que c'est grossier, si tu veux. Faut pas dire ça devant les clients et pas devant M. Gilbert, ça la fout mal, merde. Tiens, Anita, c'est pour toi, c'est un cadeau. Oh, bon choc, fallait pas. Ah ben, on sait vivre, hein, départ, ça s'arrose. Surtout le tien, hein. Et puis du whisky, en plus. Ah ouais, j'hésitais avec le champagne, puis je me suis dit que ça, s'il en restait, tu pourrais l'emmener à Metz. Eh, tu sais ce qu'on va faire avec Paul? On va la boire en pensant à toi, hein? Non, non, merde, non! Qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, dégonner en carton, t'es habile, ça fait peur, toi, hein? Ben, m'engueule pas, j'ai pas fait exprès non plus. Ben, je vais te féliciter, alors tiens, ben bravo, et puis oh, merci. Tête de cochon, celui-là. Il te goûte? Voilà, ça fait rien, Betty et moi, on boira dans le même verre, hein? On va connaître nos pensées, alors. Ah ouais? Saint-Christophe, pense au tien. Top, 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 merci.
Bon, eh ben alors, à ton bonheur avec Paul, alors. Hein. Et à ta réussite dans la chanson, on sait jamais, hein. À tes nichons, on sait jamais, hein. Il est bête. C'est pas de moi, je te signale. Hein. Bah, c'est pour ça que c'est bien. Eh non, mais te vexe pas, c'est une blague. J'ai l'air vexé. Eh, petit, en parlant de blague, est-ce que tu connais la différence qu'il y a entre un pot de chambre et une casserole? Non. Non? Ça doit être propre chez toi. Ouaf, ouaf, ouaf. Non, celle-là, c'est Paul qui me l'a raconté. Oui, mais ça m'étonne pas, ça, tu vois. Allez, quand mon verre est plein, je me vide. Non, je le vide. Ah bon, bah, c'est pareil, ça. Ah ouais? Ça doit être propre chez toi, hein, hein? S'il te plaît, Betty, au lieu de glousser, tu pourrais pas me passer mon fourre-tout panthère sans te demander? Tiens, ben Jaco, t'en veux un bout? Non, merci, non. Ah non, mais c'est bon, hein, c'est du museau. Oui, j'avais senti, mais non, merci. Et toi, Betty, t'en veux? Oui, je veux bien. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. En fait, j'ai pas faim, finalement. Ah, j'ai rien dit, moi, oh. Par contre, si vous pouviez me prêter votre serviette, je connais un tour très amusant. Mais c'est quoi comme tour? C'est une surprise. Ça va pas abîmer la serviette, au moins? On va pas que ça la salisse, surtout, hein? C'est un soutien-gorge? Il y a de l'idée, hein? Oh, c'est marrant. Ça fait que rien, dis donc. Ah, puis c'est bien fait, hein? Regarde ça. Regarde. C'est la tassier de biscuits. C'est qu'à toi, ça te va mieux comme ça, hein? Je suis pas décoiffée, là. Mais rien d'irréparable, non? Oh. 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 Qu'est-ce qu'on rit, hein? Oh, on parle pas. Non, mais non. Oh. Bon. Eh ben, c'est pas tout ça. Moi, je vais faire du rangement, tiens. Il sera pas dit que j'aurai laissé des merdes derrière moi. Tiens, passe-moi le cadre. Passe-moi la photo, là. T'as pris le costume, tant qu'il y est? Je peux l'essayer? Ah, ben non. Ben si, laisse la essayer si elle a envie. Hein? Bah oui, mais... Elle va me l'élargir. De toute façon, tu ne le mettras plus, t'en as plus l'usage. Laisse-la essayer, hein? Allez. Allez. Allez, je suis jetée, je l'essaye. Elle n'est pas sauvage comme fille, j'aime bien, moi. Elle est sympathique.
c'est parce que je pense à mon costume que je peux plus rentrer dedans. Tout ça, ça me rend triste. Tu pars à Metz, il y a Paul qui t'attend, tout ça. Hein? T'as tout pour être heureuse. Bah t'es pas heureuse. Mais si, je suis heureuse. Tu parles, Metz. Mais c'est parce que je suis émotive, alors je pleurniche. Mais c'est pas grave, ça va passer, et puis c'est tout. Et en plus, ben quand tu travailles longtemps avec les gens, et ben tu finis par t'attacher. Ouais, bien sûr, évidemment. On s'engueule un peu tous les deux, mais enfin on se supporte, hein. Tiens, je vais te dire un truc qui va te faire rire. Ouais. Au début où t'étais là, j'étais amoureuse de toi. T'es vraiment bête, toi, écoute. Hein. T'avais dit que ça allait te faire rire. Arrête, pleure pas. C'est pas pour ça que j'ai ri. Mais alors, c'est pourquoi alors? T'as pleuré, t'as ton remède qui a coulé, t'as l'air d'un clown, là. C'est pour ça. Mais ouais, c'est pour ça. Quand je pleure, je suis à vous, alors... Bah arrête avec ça, parce que tu vas sentir le museau, en plus. Tu m'aides à l'accrocher? Je serais pas bien, petit lapin? Je suis une star. J'ai une piscine en forme de cœur, du vison blanc et des paillettes qui s'effilochent dans ma tête. Enfant, j'ai traîné dans la crasse, le long du trottoir de ma rue. Dans mes rêves, j'habillais de strass celle que je suis jamais devenue. Je suis une star à l'intérieur, j'ai une Rolls-Royce et un chauffeur, deux ex-maris et une pension dans ma quatrième dimension. J'ai mis mes amours dans ma poche avec mon mouchoir par-dessus, mes espoirs tristement sous cloche dans les pages de ciné-revues. Je suis une star incognito qui prend tous les jours le métro. Comme la Garbo, l'air mystérieux, je m'exile au fond de ma banlieue. C'est lourd d'un coup, là. Bah, qu'est-ce que tu veux? Tu l'as énervé, là, maintenant. Tu crois? Je peux le garder un peu sur moi? Ah oui, une fois qu'il est élargi, évidemment. Non, mais tu vas pas rester comme ça. C'est pas correct si quelqu'un arrive, hein. Tiens, passe la blouse. Tu vas attraper la crève, en plus, t'auras gagné, toi. Oh! Oh, c'est une bonne soirée, hein. On s'est fendu la pêche, on a rigolé, c'est une bonne soirée, hein. Vraiment, vraiment, hein. Dès que t'en passeras pas souvent d'aussi bonne ici, ça, faut pas croire non plus, hein. Ouais, et puis moi, demain, il y a Paul, il m'emmène dans un relais gastronomique sur l'autoroute. On va s'en mettre plein la lampe, j'ai hâte de ça, tu peux pas savoir. C'est marrant parce que vous l'avez vu qu'une fois et puis vous allez vous marier avec. Ben oui. C'est marrant parce que des fois, en une fois, on peut pas se rendre compte, hein. Moi, je vois mon frère.
Une fois, il est sorti avec une fille très belle, très féminine. Eh ben, en fait, c'était un mec, la fille. Comme quoi, en une fois, on peut pas se rendre compte. On peut pas se rendre compte de quoi? Ben, si ça se trouve, votre fiancé, c'est un con. Oh là là, je dis donc. J'ai eu un coup de sang, là. Je sais pas si c'est l'alcool, le sexe ou le mélange, mais... Tiens, Jaco, toi qui es un connaisseur, tu vas nous donner ton avis. C'est quoi l'avis? Tu trouves pas qu'elle serait bien en bunny? Ah bah même sans rien, je suis sûr qu'elle est pas bien. Eh, tu sais ce que tu devrais faire, Betty? Tu devrais aller voir Gilbert le gérant et puis tenter le coup. Bon, t'es pas bien, non? Bah écoute, si elle a envie. Bah tu connais Gilbert? De quoi je me mêle? Vous croyez que j'ai mes chances? Avec Gilbert? Tu as toutes tes chances. Tu as toutes tes chances. Tu sais ce que tu fais, c'est pas compliqué. Moi, c'est comme ça qu'il m'a engagée. Tu descends en bas, tu t'approches de lui doucement par derrière, tu lui fais coucou, il se retourne, tu ouvres ta blouse, effet de surprise, il t'engage. J'ai gonflé quand même, hein. Ah bah, hey, c'est comme ça qu'il m'a engagée, moi. Hein? Puis qu'est-ce que t'as à perdre? Hein? Nadine Comté. Enfin, hé, je dis ça, tu fais ce que tu veux, mais ce serait bête de rater l'occasion, quoi. Ben oui. C'est ça qui serait bête. Ben oui. De rater l'occasion. Bon, ben j'y vais, hein. Hé, t'oublies pas l'effet de surprise, hein. Coucou. Eh ben, elle va l'avoir, son effet de surprise, celle-là. Oh là 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 là, vivement le soir qu'on se couche et la guerre qu'on se tue. Hein. Alors le kiki, t'es le plus gentil, hein. T'es gentil, toi. Tu manges? Eh ben mange. Tu sais pas qui c'est qui te mangera. Rien. Il l'a giflé. Eh oh, j'y suis pour rien, moi, hein, oh. Non, mais c'est elle qui a insisté pour y aller, hein. Mais ouais, bien sûr. Et puis j'ai pas demandé qu'elle le mette, mon costume. Est-ce que je vais enfiler ses vêtements, moi? T'es une belle salope, hein. Elle n'a pas me dire ça. Te dire quoi? Elle m'a dit des trucs sur Paul. À cause de ce gros con. Ouais, je t'en prie, Jacques, hein, ne parle pas de peu sur ce ton, s'il te plaît, hein. Mais ben, je suis sûrement pas le premier, puis je serai pas le dernier, alors faut y faire. Je vais pas en faire un sac, tu te barres, je te signale qui te demande, mon pape. Qui ça, moi? Non, le pape. Le pape? Imbécile, il y a 3 ans qu'il est mort, le pape. T'inquiète pas trop pour Gilbert, c'est un pauvre type. Qui? C'est mignon ça. Oui, le mignon, le kiki. Mais attention, tu lui arraches l'oreille. Il en a une autre, un kiki. Tu vis toute seule, toi? Ouais. C'est pas facile, hein. Moi, je vois moi. Pas... Ça va. Ah bon? T'habites où? Je peux te raccompagner, là, si tu veux. Cachan. D'accord, mais c'est pas la porte à côté, hein. T'as une voiture? Ah non, pas encore. Parce que j'avais des amis, ils avaient des voitures et puis ils m'ont accompagné. T'as déjà fait l'amour dans une voiture? Non, j'ai pas mon permis. Parce que moi, je l'ai déjà fait.
J'ai fait des Renault, des Simca, une Mercedes une fois dans un parking. Mais je connais pas bien les marques. Bon, tu sais, moi, de toute façon, les bagnoles, c'est pas mon... C'est pas ça qui... Non. Ça te dérange si je t'embrasse, là? Non. Non. Bon, on va le faire, comme ça, on sera débarrassé. Ah, d'accord. Ben, t'es timide! Ah non, c'est le lapin qui pue, c'est une horreur! Il t'a engueulé, j'espère? J'aurais préféré qu'il m'engueule, tiens. Tiens, ben, lis ça. C'est quoi? Ben, c'est un télégramme. Ben, je vois. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Arrête tout, faillite, Paul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pars pas à Metz. Tu pars pas à Metz? T'as pas resté là? Hein? Oh, je te parle! Tu vas pas rester là? Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Bah, partir à Metz! Non, il a besoin de toi, écoute, et surtout s'il en faillite, tu te rends compte? Mais oui, mais il a mis ça pour pas me faire de peine, parce qu'il est délicat. Mais non, il est pas délicat! Il est pas délicat, c'est un appel au secours, ce télégramme. C'est vrai, ça arrête tout, ça veut dire lâche tout, viens me rejoindre, je sais pas, réfléchis un peu. Tu peux pas le laisser tomber, dis-lui, toi, Betty. Tu peux... Ben, ça serait un peu dur. Tiens, tu vois, ça serait dur. Hey. Et puis même par rapport à Gilbert, il a été sympa de te laisser partir sans préavis. Puis même pour toi, t'as jamais été bien, là, alors je sais pas, sois d'accord avec toi-même, merde! Ouais, excuse-moi, mais je supporte pas de te voir malheureuse. T'es gentil, Jaco. Mais non, je suis pas gentil, on lui dit de partir, elle veut rester, mais barre-toi, tu comprends ça, barre-toi. C'est moi. Je dis ça, c'est pour Paul, hein. Si ça tenait qu'à moi, tu penses. Bah, attends, je vais t'aider. Bon, ben au revoir. Au revoir. Betty, au revoir. J'y suis bien arrivée, moi. Ben attends, on va boire un coup ensemble avant que tu partes quand même. Il n'y a pas le feu. Bon, ben au revoir. Tu vas me manquer de cette ouais. Ah, au fait, Betty, je voulais te dire pour le lapin, tu peux lui donner tout à manger, mais tu lui donnes pas trop à boire parce que ça leur file la diarrhée, puis ils gonflent et après ils crèvent. Alors c'est pas la peine. Paul ! Oh ah mon Dieu, c'est pas vrai ! Allez, c'est pas vrai, Paul ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Donne-moi de l'argent pour le taxi, là, il attend dehors. Et le compte retourne ! Donne-moi ton sac. C'est pas vrai ! Paul. C'est Paul. Mais... Oh, c'est pas vrai. Tiens, dégage un peu les bagages, hein. Ah oui. Et puis aidez-la, vous. Oh, c'est pas vrai. Oh là, je suis crevé, j'ai voyagé toute la journée, j'en peux plus. Non, non, elle m'embrasse pas, je suis pas rasé. J'ai pas eu le temps, je suis parti comme un malpropre. Écoute, Nini, il m'arrive une histoire, mais alors des ennuis, je pensais pas que ça pouvait arriver dans la vie d'un commerçant.
Ben, je croyais que vous étiez médecin. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, là? Mais non, tu te rappelles la blague? Maître, médecin, docteur, tu te rappelles? Ah ouais, ça me fait pas rire. Tiens, il va plutôt me chercher quelque chose de frais, une bière. Assieds-toi, repose-toi. Dépêche. Oui, ben j'y vais, repose-toi, j'y vais. Elle a grossi. Ah, je sais pas, j'ai pas remarqué. Ah ouais, mais moi j'ai l'œil. Elle a grossi. Alors, elle a grossi, alors. Je suis lessivé, hein. J'ai plus rien. Ils m'ont tout pris. Les salauds. Enfin, j'ai sauvé ma peau, hein. Tant qu'on a la santé. Bah, oui. Oh, mais qu'est-ce qu'elle pue, cette bête? C'est une infection. Oh là là. Et encore là, c'est la tête, mais de l'autre côté, c'est terrible, hein. Je comprends pas pourquoi ils s'en débarrassent pas. C'est vous, la remplaçante? Ouais, c'est elle, ouais. Elle a perdu sa langue? Et pas comme vous, hein. Remarquez, question fraîcheur, hein, vous y perdez pas au Georges, hein. C'est encore assez délicat comme plaisanterie, ça. Ça va pas? Ouais, ça va, mais je me marre. Là. Enfin, vous vexez pas, c'est à cause de votre costume. Là. Enfin, faut bien gagner sa croûte, hein. Bah oui, vous êtes industriel, vous, je crois, vous avez du gras sur votre veste. Bah ouais, c'est du cambouis. Bah oui, forcément, dans les affaires. Mais non, c'est le voyage. J'ai des mecs qui m'ont pris en stop à changer sa roue. Ah, d'accord. Alors forcément, c'est dégueulasse. Il y a des connards, hein. Ah oui, 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 oui. Ouais, il y a des connards. Hein. Puis alors, c'est marrant parce qu'on dirait que je les attire. Dites donc. Hein. Pour enlever le cambouis, vous avez qu'à mettre du beurre. Ah ouais, puis après, faut retirer le beurre. Et la grosse, là, qu'est-ce qu'elle fout avec sa bière? Elle la brasse ou quoi? C'est marrant, vous voyez, parce que je vous connaissais pas. Remarquez, je me doutais un peu d'après la photo, quand même. Mais je suis plutôt rassuré pour Anita. Eh ben, elle aurait pu tomber plus mal. Bon, ben, en cherchant bien, alors, hein. Tiens, ta bière. T'avais pas de pression? Ah, ben... Mais donne, donne. Mmh. Ah, c'est dégueulasse. Elle est tiède. Tu l'as mis au four ou quoi? Allez, j'ai pensé à toi, j'ai ramené du confit de porc. Bon. C'est pas tout ça, hein. C'est pas qu'on s'ennuie ici, mais on n'est pas rendu. T'es prête? Oui. Allez, j'espère que c'est pas trop loin chez toi parce que je peux plus arquer. Mon général? Bah, au revoir, monsieur. La miss? Tu viens, toi? Oui. Bon, attends, je vais t'aider. Donne-moi ton sac. Allez. Oh, les bonnes femmes, hein. Finalement, on va garder le... Tu viens, Lily? Oui, j'arrive. Eh ben... Ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Ouais, t'as raison. Ça fait du bien. Je crois qu'il va s'habituer à moi, le Kiki. Il paraît que ça a ses têtes, hein. J'avais une copine, elle avait un chien, et ben elle l'avait habitué à pisser sur la jambe des types qui l'embêtaient. C'est sympa, ça. Ah ben c'était radical, hein. Sûrement. Et puis c'était un gros chien, en plus. En plus, t'imagines la capacité. Pourquoi tu t'arrêtes? Ça t'énerve pas, la musique, toi? Pourquoi ça m'énerverait? Non, continue. Ouais. T'es sûr que ça t'énerve pas, ça? Mais non, continue! Ça ne s'explique pas, ça, hein? J'hésiterais pas, je me lancerais, hein. Dans un pick-up, t'as pas le disque? On va à côté des merdes qu'on entend à la radio. Ah, oui, ça. Pourquoi elle aimait pas, Anita? Bah, je sais pas, parce qu'elle préférait son transistor. Au début, ça m'a énervé un petit peu, puis j'en ai pris mon parti, on s'engueulait, tout le monde était content, quoi. De toute façon, je lui ai jamais vraiment joué. Hein. Et pourquoi tu me la joues à moi?
Parce que t'as pas de transistor. En tout cas, tu pourras jouer tant que tu voudras, moi je t'embêterai pas. Bah ça, jouer, je le fais déjà chez moi, ça. T'as un piano chez toi? Ouais, ouais. C'est marrant, on dirait pas comme ça. Mais ça, c'est une costume, ça. Faut pas savoir, hein. Là où j'habitais avant, il y avait un type, il avait l'air de rien. Ouais. Et ben, tu sais ce qu'on a retrouvé chez lui quand il est mort? Un piano? Non, non, non. Je sais pas. Le pont de Tancarville entièrement fait avec des allumettes. Ah oui, bah oui, ça... Effectivement. J'aurais pas deviné, oui. Ben, il paraît que c'était magnifique. Sûrement. Eh ben, il disait rien. Et puis, il avait l'air de rien. Et puis, il mourait, peinard. Elle est rigolote, ton histoire, hein? Elle est rigolote. Bon, ça t'ennuierait pas de pas me regarder pendant 5 minutes, là. Pourquoi? Une idée, comme ça. Je te regarde pas. Oh, bah non, une paille. T'es bizarre, comme mec, hein? Là, ça va? Ouais, mieux. Bon. Dire, c'est pas tellement plus facile comme ça, hein, finalement. Bon, écoute, ça fait pas une heure qu'on se connaît. J'habite dans un couloir. Non, mais me regarde pas, je vois bien que tu me regardes, là. Oh. Question sociale, je suis pas ce qu'on fait de mieux sur le marché, sauf si t'aimes l'uniforme, le prestige, tout ça. Peut-être que dans un an, je vendrai 300 millions de disques, mais enfin, peut-être que pas. À part ça, pas grand-chose, à part ça. Enfin bref, quoi, je suis pas l'occasion de l'année, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Non mais prends ton temps, réfléchis, hein. Je peux me retourner, là? Bah si c'est vraiment nécessaire, oui. J'ai pas bien compris ce que tu m'as dit. Oh non, merde! Eh ben moi j'y peux rien, je suis pas une lumière! Mais non, mais c'est pas de ta faute, c'est moi qui bloque, alors! Pourtant pas compliqué, mais comment ils font les autres quand ils veulent, avec toi? Oh ben c'est toujours les mêmes conneries, hein! T'es mignonne, t'es marrante, où c'est chez toi? Ils disent aussi. C'est toujours les mêmes conneries, hein. Mais pourquoi tu me poses toutes ces questions? Parce que j'ai envie de coucher avec toi, voilà, je l'ai dit, maintenant on se détend, hein. C'est pour ça? Ah oui, c'est pour ça, oui. Bah, t'es compliqué comme type. Oh là là. Tu veux mon avis? Je sais, je suis un con. Ben, on peut voir. Qu'est-ce que t'as dit, là? On peut voir. On peut voir? Mais attends, non, mais où? Non, mais on peut voir pour... Bah, pour s'embrasser, oui. Oui, s'embrasser, par exemple, t'as dit le mot. On peut voir. Ben, oui. Bon, on va voir, alors. Oui, mais pas là, parce qu'il y a... Là. Par exemple. Attends, il y a encore un truc qui me gêne. Non, on est François. Tu peux pas fermer ta porte, non? Ça fait courant d'air et puis j'attrape froid, moi, après. Oh, t'es pénible, hein. Franchement, t'es pénible, hein. C'est un vestiaire ici, c'est pas une poubelle quand même. Bon, on dirait pas. Il y a tout ce qu'il faut pour la remplir. C'est de la merde, ton truc. Ça protège rien. Encore une de tes idées à la con. Donne-moi du pognon. Et pourquoi faire? Et je t'en pose des questions. Donne-moi du pognon. Il y a marqué banquier ici. Tu veux voir ce qu'il y a marqué, là?
Tiens. Tiens, si tu vas au bistrot, ramène-moi un sandwich pâté, tiens. J'ai pas le temps, je fais que l'aller-retour. C'est ça, pour ton klaxon, t'as le temps, pour mon sandwich tatin, hein? Enfoiré, va. Alors écoute, Anita, tu vas la fermer, sinon ça va tomber. De toute façon, on m'avait prévenu que j'avais épousé un gros con, j'avais qu'à faire gaffe, hein. Et qu'est-ce que tu marmonnes dans tes plombages? Ah, mais je dis rien, je dis rien du tout. Puis la place, c'est dehors, c'est pas ici, sinon le Gilbert, bah, tu vas l'entendre, hein. Messieurs, dames. Sans madame. Oh, vestiaire. Merci, madame. Tu viens? Oui, j'arrive. Oh, Jacques. Ça, c'est fou, alors, ça. Oh, c'est pas vrai. Ça, c'est marrant. Oh, c'est pas vrai. Salut, tu vas bien? Ça va? Oh, c'est fou, drôle, ça. Et dire que cet après-midi, je vous écoutais à la radio. Est-ce qu'on se dit vous, maintenant Oh, bah, ça fait 5 ans, hein. C'est pour une raison, quand même, hein. Ah, oh, bah, quand même. C'est pour une raison. C'est... T'as pas changé, toi, hein? Ah oui? Non. T'as l'air en pleine forme, tout ça va, en ce moment? Ah oui, pour aller, ça va, hein. C'est pour le retour, mon frère. Ah, c'est marrant, hein. Hein, ah oui, c'est marrant, hein. Mais vous êtes, enfin, t'es une vedette, bon, toi. Bon, dis pas de bêtises, écoute. Oh, non, arrête, non, arrête. Eh, qui c'est qui connaît pas Jackie Bonux, hein? Ouais. Ah, ouais. Oh non, c'est bien ton émission, c'est bien. Tu trouves? Oh, je te le dirais si j'aimais pas. Non, je sais bien, je sais. Eh, tu me connais? J'aimerais pas, je te le dirais. Mais là, c'est bien. Je l'écoute tous les jours, hein. Ouais. Ah, ça, je m'en voudrais de la rater. Oh, et puis qu'est-ce que tu me fais rire avec tes histoires drôles? C'est jamais les mêmes, en plus, hein. Non. Oh, c'est bien. Enfin, moi, ce qui me plaît le plus, enfin, si je peux me permettre... Non, mais vas-y, tu sais, moi... C'est les jeux. Ah bon? Ils sont bien, tes jeux. Je trouve. Oh, t'aimes bien, toi. Ils sont bien parce qu'ils sont instructifs. Bah, oui. Ça amuse et ça instruit. Voilà. C'est un peu ce qu'on essaie de faire. Oh, de c'est faire bien. Marrer, des fois, j'essaye de répondre aux questions. T'y arrives? Non. Bah, si tout le monde il gagne, ça vaut plus le coup. Bah, hein. C'est plus un jeu, hein. Bah, c'est oui. Un peu le principe, hein. C'est pour ça qu'on est obligé de mettre la barre un peu plus haut. Bah, tant mieux. Bah, je suis content que ça te plaise, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. C'est marrant de se revoir parce que ça. Ah, bah, ça coupe vous le fait... sifflet. Ah, ça vous fait un coup, hein. Ça fait 5 ans, hein. 5 ans. Oh, bah. Mais tu rebosses là, toi, comment ça se fait, ça c'est... Oh ben, c'est-à-dire que comme la place était libre et puis que j'ai sauté sur l'occasion, quoi. De toute façon, tu sais, hein, je vais te dire franchement, c'est pas une mauvaise place. Oh hein. Non. C'est pas une mauvaise place. Oh, il y a pire. Hein. Ah oui. Oh là là, il y a pire. C'est sûr. Oh, sûr qu'il y a pire. Non, puis toi, tu connais, ah, c'est oui, pas pareil. Quand on connaît, c'est pas pareil. Bon, c'est... T'as tes habitudes, ah, tout oui, ça. Je connais. Voilà, autant quand on connaît pas. Non, ça c'est sûr, ça c'est. Quand on connaît, ça roule tout seul. C'est une mauvaise place. Ça, c'est agréable, c'est la routine. Bah, évidemment, il n'y a pas de surprise, c'est pas désagréable. C'est sûr. Il n'y a plus malheureux. Oh là là, là faut pas se plaindre. Non, hein, non, non. Faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre, non, t'as raison. Surtout en ce moment. Oh là là. Mieux vaut tenir, hein. Ça, c'est sûr, je sais pas où on va, mais on y va vite. Hein. Parce que nous, on en voit, tu sais, moi j'en vois, hein, là, je vois la France, là, ah, hein, bah, je oui. voyage, je vois la France, ça va pas bien. Ah hein. Oui, tu fais une ville par jour, ouais, ouais, toi. Ah ouais. Oh, bah oui, tu dois en voir. Ah, j'en vois, moi, je peux pas, je trouve. Bah oui. Non, ça doit être fatigant, quand même, de faire une ville par jour. Oui, enfin, pas tellement, c'est pareil, tu sais, c'est quand on a l'habitude, tout ça, ça oui. va bien, hein, c'est... Et puis en plus, on a une caravane, nous. Vous avez une caravane? Ah oui, bah oui, non, oh, bah, bien sûr. Bah, si ah bah si on n'avait pas la caravane, ça serait pas bien. Non, avec la caravane, c'est impeccable, oui. Parce que t'as pas le côté installation dans les hôtels, qui est fatigant roule tout et seul. Tout. Non, là, c'est impeccable, t'as toutes tes affaires. C'est comme si tu dormais dans ta valise, quoi, tout est rangé. Oh, c'est l'idéal. C'est l'idéal, non, il y a plus malheureux que nous aussi, ça. Oh, ça, faut pas se plaindre, hein. Ah, non, ça... C'est pas le moment non, de lâcher. C'est pas le moment de lâcher, ça me vire rond, mais je partirai plus. Bah voilà. Voilà, ça fait plaisir de se revoir. Ah, ça, même, fait, hein. ça fait 5 ans. C'est Kiki, ça? Ah non, là. C'est pas le même, parce que le premier, il est mort. Ah. Il est parti de la diarrhée, ah, figure-toi. Bah c'est leur point faible, c'est leur talon d'Achille. Oh, Marc, il pue autant que l'autre, celui-là. C'est la même race, hein. Ouais. Ça doit être la même nourriture, surtout, hein. Je te taquine, c'est pas méchant.
Pas méchant, hein. Je suis pas vexée, hein. Je le prends bien, tu me connais, hein. Tant qu'on dit ça, on dit pas du mal du voisin, hein. Bon, ben, il va falloir que je descende. Et, sans indiscrétion, la jeune femme qui est avec toi, ouais. C'est... Enfin, ouais. C'est... Tu l'as pas reconnue? Non. Oh. Tu as pas reconnu Betty? Je te rappelle, Betty. C'est Betty? Ben oui, c'est Betty. Tu l'avais pas reconnue? Non. Ah, ben... C'est Betty? Mais ça, je t'assure que c'est Betty, je suis sûr, hein. Ah, je crois que pensais que tu l'avais reconnue, hein. Mais non. Ah, bah si, si. Mais t'as pas su qu'on était mariés? Non. Ah, bah si, on est mariés, c'est pour ça que je suis sûr que c'est elle, hein, on est mariés. Tu l'as pas su? Mais moi, non. Je pensais que tu savais, que t'étais au courant. Mais t'avais non. Dit ou... Ah, bah non. Bah, on est mariés. Oh, bah dis. Ça fait 3 ans, hein. Enfin, attends, que je dise pas de bêtises, c'était pendant la tournée de Jairo, c'est ça, 3 ans. Oh là là, ça passe, oh, c'est fou, c'est fou, t'as oh pas le temps de te retourner, que... c'est parti. Oh non, elle a une jolie fourrure, hein. Ça, ça me rappelle une fourrure que j'ai eue dans le temps. Mais la mienne avait des taches, hein. Tu viens? Regarde qui est là. J'ai du champagne. Ouais, calme-toi, calme-toi. Bonsoir, regarde qui est là. Bonsoir, madame. Tu la reconnais? Non. Mais si, tu la reconnais, c'est Anita. Non, bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Tu la reconnais? Bon. Mais calme-toi, j'arrive. Il y a du champagne. Ouais, j'arrive. Vas-y, vas-y, je descends. Bonsoir, madame. Oui, j'arrive. Laisse un petit oiseau. Mais... Ah, ben. Je vais y aller parce que. Oh, attends, Jacques, avant que tu partes, ça, je voudrais te demander quelque c'est chose. Quoi? J'aurais voulu un autographe. Écoute, non, pas entre nous, ça veut rien dire. Non, plus c'est dur entre nous, ça non, veut rien pas, dire. Non, plus ça me fait bon, plaisir. Bon. En plus, ça me vexerait. Non, non. Non, tu sais que j'écoute ton émission tous les jours, moi. Et puis je me dis, tiens, Jacques est dans tel coin. Si jamais il passait par mon bled, je m'inscrirais à ses jeux. Ça lui ferait une drôle de surprise. Oui, ça me ferait une surprise. Et puis, t'es jamais passé par chez moi. Oh, j'ai que ça. Ça fait rien, là, c'est pas grave. J'ai que ça. De hein. Toute façon, je remettrai au propre. Hein. Bon, bah dites-le pendant que tu y es, alors. T'as qu'à mettre... Anita. Avec toute ma sympathie. Toute... Ma sympathie. S-I-N-P-A-T-I. Bon, je sais, c'est le temps qui me dit. Amicale. Amicale. Et puis tu signes. Oh, tu peux signer de Jackie Bonux. Parce que sinon, ton ancien nom, ça compte pas pour les si j'échange ou si je... Voilà. Merci. Ça me fait plaisir, hein. Ouais, c'est pourtant pas grand chose, hein. Ah, bah quand même, ça fait plaisir. Bah, tant mieux. Bon, bah, il faut que j'y aille maintenant. Parce que... Non, il faut que je... T'as gardé mon stylo? Hein? Excuse-moi, j'en ai toujours plein les poches et de manie, je les remonte pas. Non, c'est parce que c'est un cadeau, alors ça m'embêterait. Oui, de toute façon, c'est pas une... J'ai garé la voiture de ces messieurs-dames juste à devant le cabaret. Merci, monsieur. C'est... Bon, bah, à tout à l'heure. Alors... Bonne soirée, messieurs-dames, et puis surtout, surtout, amusez-vous bien, hein. C'est l'essentiel de bien s'amuser. C'est l'essentiel de bien s'amuser. Qui c'est, ce type-là? J'ai déjà vu quelque part. Bah, évidemment, il est très connu, il a une émission tous les après-midi à la radio. Ah, c'est ça, je l'ai vu à la radio. Ma pauvre fille. Mais toi, de toute façon, tu reconnais tout le monde, tout le temps, partout. Toi, c'est une manie, alors... Et ta gueule. Ça me reviendra. Ça me reviendra. Mais pauvre con. Allez, viens me voir, le kiki. Viens me voir là. T'es le plus gentil, toi. Hein? Toi, tu connais, toi. Hein? Tu reconnais, toi. T'es gentil, toi. Hein? T'es gentil, Kiki. Il est gentil, Kiki.